encore du vin? Mais on va bientôt manger. Peut-être, mais j'ai soif maintenant. Je me demande bien pourquoi je te fais des remarques. Tu n'en tiens pas compte. Ben peut-être parce que j'en ai rien à faire de tes remarques. Tu viens m'aider à mettre la table? Mais t'as pas un mari et une fille pour faire ça, non? Oh. Bernard n'est pas encore rentré du travail et Agathe fait ses devoirs. On a tous un boulot ici. Sauf toi. Oh. Moi j'ai trimé toute ma chienne de vie avec ta mère. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné moi. J'ai l'âge de me reposer un peu, non? Tu crois pas? Ben repose-toi. Agathe, ma petite chérie, tu peux m'apporter ma radio et ma couverture, je te prie. Tiens, ta couverture et ta radio. Merci, ma petite chérie. Agathe, ma petite chérie, il me saoule quand tu parles comme ça, je suis plus une gamine, merde. Moi aussi, il me saoule. Les histoires, c'est... Ça dure depuis des années. Il emmerde tout le monde. L'émission proposée par Pierre Bolac. Regardez. Il est encore nous gonfler avec son émission à la con. Je le supporte plus. Vous pouvez pas vous taire un peu, non? Tiens, qu'est-ce que je disais? Je sais, c'est tous les soirs la même histoire. Gna gna gna, mon émission, gna gna gna, vous pouvez pas vous taire. Surtout que c'est nul. Tant le souffle chaud du vent balayait... Que des histoires de meurtre. Des trucs bien glauques. Agathe, où était coincé en fait de ville de Chelles. Mais c'est chelou, tu trouves pas? Dans ce département. Ça pourrait donner des idées. Et qui tentait de redonner ses lettres de noblesse à nous, Agathe. Mais vous allez la fermer un peu, oui, oh! C'était son charme. Une longue et ta mère débarrassée. Qui distribuait à gauche et à droite un système. Mais laisse la bouteille de verre. Brou était une petite bourgade tranquille. Sans relief, mais doté d'un calme que ses grandes voisines t'en veux? Julie oui, je veux bien. Remontait l'avenue Jean-Jaurès. Agathe, ramène un verre à ta mère. Oh, ça suffit, papa, tu nous saoules maintenant. On peut bien discuter, non? C'est Pierre en Pierre, je me trompe? Non, tu te trompes pas. Cette étudiante en école finira jamais. Le bonheur de ses parents et de ses amis. Finira bien un jour, hein. Mais vous allez fermer vos gueules, oui! Qu'est-ce qui finira un jour? Espère. Après avoir réglé ses achats. Te laisser faire quoi? Espère. Un peu en contrebas de la rue du Jean-Jaurès, au 3 de la rue des Poupillons, précisément. C'est un petit bâtiment en pierre sans charme particulier. Si c'est un assez massif de l'or, je vais vous offrir une bonne bouteille de vin. Venez avec moi à la cave. Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais merde, à la fin, moi, j'écoute la radio, là. Elle repasse, votre émission. Ah, mais... On l'écoutera ensemble, si vous voulez. Allez, venez avec moi. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. J'aime pas qu'on m'emmerde quand j'écoute la radio. Rapidement. Julie Despieux ouvrit la porte de son appartement avec sa clé. Aussitôt l'homme s'est jeté sur elle. Il lui a frappé le visage. Il a claqué la porte. Elle était prisonnière d'un monstre, mais elle ne le savait pas encore.